Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Farming Simulator 17 sur la map Saint-Hilaire. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17, donc sur la map Saint-Hilaire. Donc on est sur le deuxième épisode Fenaison, la mini-série. Donc voilà, donc on va tout de suite. Oh, petit coup de like, ça fait plaisir. Donc on va tout de suite commencer par la présentation du matériel qu'on va avoir durant cette vidéo. Donc on va commencer par un Dutz 6185 TTV qui est vraiment magnifique, les amis. Enfin, vraiment, les nouveaux Dutz avec les nouveaux capots, c'est vraiment magnifique. Donc la salissure des roues, elle est vraiment. Enfin, splendide. Donc, nous avons. Je fais que de sauter. ça me fait penser à Fortnite. Donc, nous avons un rumbler. Enfin, nous, par chez nous, on dit un rumbler. Après, vous dites ce que vous voulez. Donc, nous avons un rumbler Chrome Comprima V180XC. Voilà. Du DLC Strawverse. Voilà, DLC Paille. Et donc, voilà. Donc puis ça change un peu les bottes, voilà, ça fait du filet. Donc ce qui est plutôt pas mal, mais normalement j'ai la texture des bottes normalement. C'est pas les modes de base. Les bottes de base. Donc voilà, donc on va aller voir le petit dossier ensemble. Donc les amis, les petits coups de lag, ça va commencer à me saouler. Donc j'ai fait une petite connerie. En fait, je vais tout faucher, faner et tout. Et du coup je voulais faire une botte pour voir si ça marchait bien et tout. Et là, la croissance est en rapide. Et là, j'ai vu l'herbe pousser, je dis, oh non, c'est pas vrai. Et du coup, l'herbe, elle a poussé un peu, mais bon, c'est un peu gênant, mais bon, c'est pas très grave. On va faire avec, les amis. Donc là, on est avec un Yash 744 international, qui est juste magnifique, les amis. Donc, pas besoin de me demander le lien, il est privé, je suis vraiment désolé. Avec un petit enlainer Chrome, voilà. C'est un pack, si vous voulez le lien, vous me le demandez en commentaire, je le mets. Ou regardez avant dans la description si je vais le mettre, je sais pas si je vais le mettre, si je le retrouve. Voilà, j'avais fait ça dans mes modes, donc voilà. Donc c'est un gros pacte, vous avez plusieurs... attendez, je vais vous montrer ça. Donc ça en fait partie du pack. Ça aussi. Ah non, c'est dans les faneuses où il y a pas mal de faneuses. Donc ça fait partie. Donc là voilà, là, vous avez plusieurs faneuses. Donc celle-ci elle est assez stylée, dommage que je ne l'ai pas utilisée durant la vidéo précédente. Et nous avons une faneuse de toutes les marques. Et voilà, donc en presse, j'avais pas mal de presse, j'hésitais entre celle-là. Voilà, on est là pour faire du foin. Et puis celle-là on peut charger le filet. Et donc du coup voilà, donc là je ne l'ai pas chargé parce que je crois que il m'en reste... Je voyais. Je vais mettre en route, les amis. Je voyais combien une botte il me restait, mais je sais pas où j'ai vu ça. Enfin bref, il me restait 25 bottes. Donc voilà. Les amis. Oula, on va aller doucement. Donc les amis, on va aller entaîner un peu. Donc là, je fais que le gearbox. Comme ça, je mets l'accélérateur à main et ça fait mieux. Hop, on démarre la bête. Du coup, on va mettre l'accélérateur. On va allumer. On va accélérer à fond. Et on est parti. Voilà, je vais commencer en déné pour gagner un peu de temps. Et je pense qu'on va faire un petit accéléré. Un petit accéléré pour l'endénage. Oula, ou le pressage, enfin, j'ai bien voir. Donc voilà. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, il est dimanche après-midi. Donc là j'ai plus cours, je suis en vacances, donc voilà, là je vais avoir le temps de tourner les vidéos. Ouais, par contre voilà, il lève pas énormément l'endénor, hein. Donc c'est pour ça que je l'éteins, sinon il ramasse encore l'herbe. Je sais pas si vous m'entendez bien, parce que il fait un peu de bruit le petit H. Hein. Et donc voilà, donc j'ai sorti la vidéo. Ah non, c'est la troisième vidéo Fenaison. Pardon. Et j'ai sorti la deuxième vidéo Fenaison aujourd'hui à 10h, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu. Et la première vidéo aussi, fauchage. Donc voilà. Donc
Dans la vidéo que j'ai sortie ce matin, j'ai dit que j'avais ouvert un Discord pour les abonnés. Donc je le remets en description, n'hésitez pas à aller le rejoindre. Voilà, donc comme ça on peut parler. Je mets des fois des petits screens pour l'avancée de la carrière en off. Et vous pouvez voir vos stats Fortnite aussi. Et je mets régulièrement la boutique Fortnite en screen, voilà, pour ceux qui n'ont pas envie sur Fortnite pour voir juste la boutique. Donc voilà, donc là il fait actuellement très chaud chez moi. Donc là j'ai très chaud, hein, je vous le cache pas. Je sais pas si c'est partout pareil, mais là il fait actuellement très chaud. Donc hop, on va redémarrer. Voilà. Donc la première vidéo fenaison, je vois qu'elle vous a pas trop plu. Donc j'ai essayé de changer la miniature. Mais bon, c'est pas très grave, je vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais continuer. Donc là je pense que je vais encore faire un épisode sur la fenaison. Enfin je vais bien voir. Ça dépend de l'avancée. Donc là je vais endainer et presser. Et voilà, durant cette vidéo. Et il y aura une petite moisson d'orge. Ce deuxième pape là aussi, j'ai déjà préparé tout. C'est pour ça que je vais pas switcher de véhicule, parce que j'ai déjà tout préparé. Avec une jolie moissonneuse, je vous en dis pas plus, elle est vraiment magnifique aussi. Et voilà, donc vous allez avoir ça avant d'avoir ramassé le foin. Parce que comme nous, là, on est en période IRL. Enfin voilà, on a commencé les orges, on n'a pas fini le foin. Enfin voilà, on a pas fini trop le foin. Là, c'est actuellement fini, mais... Et voilà, hop, on va se remettre comme ça. Aussi, si j'ai trop de demandes de mode, s'il y a trop de gens qui me demandent les liens de mode, enfin, je vais voir. S'il y en a 2 ou 3, bon, ok. S'il y en a 6, 7, 8 qui me demandent des liens des modes, je vais réfléchir à une création d'un site. Parce que ça serait. Enfin, du coup, j'utilise. Voilà. J'utilise tout le temps des modes différents. Par contre, j'ai pas levé l'endener, ça va pas le faire. Voilà, j'utilise là, voilà, l'endener, j'ai encore jamais utilisé. Le dodge, j'ai jamais utilisé. La presse, j'ai jamais utilisé. Enfin, la presse, non. Bah, si, je crois qu'il est sorti en DL. Bah, pourquoi tu patimes, Roby? D'accord. Faut pas patiner. Donc, j'attendais juste le petit H pour en donner. Donc voilà, ça change un peu d'avoir tout le temps les mêmes modes. Et du coup, dans la moisson d'orge aussi, enfin voilà, c'est pas les mêmes modes. Enfin, je les ai jamais utilisés. Et il y a quelques modes privés. Enfin voilà, hop, donc on va reculer. Donc voilà, ça va assez vite, je trouve. Dommage que l'herbe a poussé, mais par contre, c'est assez relou avec le. Bah non, bah non, on décroche pas. Hop, voilà. Impeccable. Voilà, donc la moisson d'orge, prochaine vidéo normalement. Que je vais tourner juste après, je pense, pour prendre de l'avance. Enfin voilà, je vais vraiment tourner, prendre un maximum de temps. Parce que quand ça va être la période des moissons IRL, il faudra y aller. Enfin, on n'aura pas trop le temps, quoi. Donc c'est pour ça que je voudrais prendre un maximum de temps. Faire une vidéo par semaine déjà. Celle-ci j'ai sorti mercredi. Voilà, ça fait 2 vidéos par semaine. Mais bon, c'est pas... Voilà, on va dire que c'est exceptionnel. Enfin, ça dépend des fois. Là, tu vois, là, j'ai l'envie. Enfin, voilà, j'ai envie de jouer à Farming. Ça, cette petite série m'a donné envie. Et du coup, la série sur la ferme limousine, je pense qu'elle va jamais sortir. Voilà, la première vidéo vous a extrêmement plu. Je n'en doute pas, mais bon, moi j'ai plus envie de jouer dessus en fait. C'est voilà, la map, je pense que la map elle me lasse un peu. Vu que c'est une reprise de la ferme limousine. Non, comment? La ferme limousine. Oui, c'est ça. L'autre c'est le petit limousin. Donc la ferme limousine, j'ai extrêmement joué dessus. Enfin, avec le roleplay de Refarm, de Romain et de tout. Et voilà, en solo, c'est voilà, ça me lasse un peu. Que c'est là, voilà, c'est une map nouvelle et tout, donc ça me donne plus envie de jouer. Et donc du coup je pense que je vais arrêter la série.
Voilà, donc moi je suis comme ça, hein. Quand j'ai pas envie, ça sert à rien de continuer à se forcer à faire des vidéos, enfin voilà, je vais pas faire une chaîne YouTube pour me forcer, voilà, ça me fait un plaisir de faire des vidéos comme ça, enfin voilà, j'aime bien faire du montage et tout, et voilà, avoir des vues et avoir des commentaires positifs, voilà, ça j'aime bien, c'est pour ça que voilà, j'écris ma chaîne, et l'envie des autres YouTubeurs, quoi. C'est les autres youtubeurs qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Donc voilà. Voilà, parenthèse fermée. Hop, on va refaire demi-tour. Ce tirage, il est assez sympa. Dommage qu'il est en privé, mais bon, c'est pas très grave. Donc je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois dans mes vidéos. C'est vrai qu'il voilà, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Mais voilà, donc je vais essayer de... Il y a une petite série aussi que je voudrais faire, c'est une série TP. Je sais pas si ça vous dit. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une série TP. On me dit tout ça en commentaire. Donc je fais combien de minutes de vidéo? 10 minutes, ça va. À moitié. C'est impeccable, comme ça on a le temps de presser, comme ça on va pas faire une trop longue vidéo. Donc je disais, parce que sinon après je vais plus y penser. Attends, hop, on va se mettre comme ça. Du coup, je sais plus ce que je disais. On sait pas trop RP ce que je fais. Tac. Ah non, bah non, bah lève-toi. Voilà. Impeccable. Donc là, on va reculer. Hop, voilà. Donc il n'y a pas trop de foin. Donc autour, je la dégage deux fois le foin. Comme en RL, on dégage deux fois nous. Deux fois. Et après, on leur pousse deux fois et après on fait l'andin. Parce que voilà, pour le remballeur, par contre, on va réduire. Voilà. Donc, on va replier l'andineur. Impeccable. Donc, il est tout petit l'andineur. Hein. Attends, par contre, on va changer de vitesse. Là, on va le mettre là. On va baisser l'andineur. Ah, il accélère un peu quand on lève. Voilà. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas lissé. Bon, c'est pas très grave. La modélisation est bien faite, ça. C'est plutôt sympa. Parce que j'en ai un vrai chez moi. Et oula, on va pas avancer. Je vais le mettre en point mort. Voilà. Ceci, je le rallume. Le petit bruit. Ah, j'adore quand on l'éteint. Ah, c'est kiffant tout ça. Donc du coup, on va passer au gros matériel. Hein. C'est pas du tout. Voilà, ça c'est un tracteur 2018. Voilà, tout confort. Hein. Ah oui, c'est vrai. De ce côté-là, je suis bas en SPF. Hein. J'ai pas du tout regardé en solo, sans mode, sans rien. Faudrait que je remédie à ça parce que je kiffe cette map. Enfin, vraiment, elle est putain de stylée. Alors là, je suis en vario, mais je suis en low ou pas? Donc là c'est la grande vitesse et la petite vitesse. Ok. Donc attends, je vais vous présenter le petit dots dans le shop avant tout ça. Le dots qui est là. Donc voilà, donc il est vraiment sympathique. Donc voilà, donc ça c'est LED. Les LED lights c'est ce que j'ai à l'avant. Attends, je vais vous montrer. Ce que j'ai là et là. Et sinon, si on met en standard, c'est ces phares-là qui sont en haut. Donc voilà, en gros. Voilà. Et voilà la couleur des jantes. Hein, voilà, mais il n'y a pas 36 pneus. Et les chevaux. Je crois que j'ai pris au maximum pour la presse. Et donc voilà, c'est un tracteur basique. Mais qui est pas mal. Vous avez un IC assez complet. Ouais, non, pas trop complet, mais ça va. Il y a les bases et voilà. Ce sans IC, le mode il serait faire, je sais pas. Bon, on va commencer à presser parce que sinon on va jamais tout faire dans la vidéo. Bah, du coup, je vais peut-être faire un petit accéléré. Attendez. Voilà, donc on démarre, on met le régime moteur à fond. On démarre la presse. On met le régime moteur à fond. Donc ça avale bien. Impeccable. Par contre, faut peut-être que je mette la marche avant. J'ai l'impression qu'il glisse un peu le tracteur. J'espère dans le FS19, par exemple, qu'on avance trop vite, que ça bourre dans le remoteur. Ah, ça serait kiffant, ça.
T'avances trop vite et ça bourre, ça serait... Enfin bon, voilà, les gens qui s'en foutent que ça bourre et tout. Enfin, faudrait avoir une option comme ça. Les gens qui veulent aller vite et tout, voilà. Hop, donc on sort la première botte. Donc du coup, j'avais fait une première botte. Ah non, elle est là-bas. Et en fait, j'avais mis en 1m10. Et j'avais pas fait gaffe, j'ai dit, what? Elle est petite la botte. Et du coup, bah voilà. Par contre, ça rend assez bien là. Allez hop, on va dans l'œil. Et je l'avais mis. C'est ce qui est bien aussi, c'est vrai, voilà. C'est, on peut choisir la hauteur de la botte. Donc c'est ça qui est bien, je trouve. Hop, donc je vais essayer d'en faire une en 1m50 après. 1m30, voilà. Bah, nous, on fait 1m40 IRL, mais. Voilà, 1m30, ça reste raisonnable. Je vais pas baisser le volant, je crois. Voilà. Hop. Bon, tu vas un peu vite. Ah bah, voilà. Puis il met 3 heures à démarrer comme ça, un vario. Les varios sur le gearbox, c'est un peu... Est-ce qu'elle va retenir? Vas-y. Ah non, c'est bon. Impeccable. On peut aller jusqu'à combien, Botley? À 20. Ah oui, d'accord. Moi, ça va assez vite. Les petites particules de poussière, elles sont vraiment sympas. Ouais, c'est pas mal. Je crois que j'ai jamais testé ce rumbler. Hop, il met un peu de temps à s'arrêter. Hein, dis donc. Voilà, impeccable. Je vais essayer d'en faire une en 1 mètre. Ah non, ça c'est... Ah oui. Donc là, 1 mètre 8. 1 mètre 8. 1 mètre 30. 1 mètre 8. 1 mètre 30. On peut plus mettre 1 mètre 10. Je sais pas pourquoi. On va mettre 1 mètre 80. 1m80, je pense que ça va être assez grand. Puis il faut beaucoup d'herbe, je pense. Hop, on va reprendre ça. Voilà, impeccable. Hop, donc c'est vidéo, je pense que je vais la sortir. Enfin, je sais pas trop. Je vais rien dire parce que si je la sors, ouais, je vais rien dire. Je vais rien dire. Bah, je pense que je vais faire 2 vidéos par semaine. Là, je pense que la semaine prochaine, il y aura encore 2 vidéos. Je vais essayer de sortir celle-ci mercredi. Et celle que je vais tourner après, dimanche. Ce serait vraiment pas mal parce que j'ai déjà lu les commentaires des abonnés qui m'ont mis dans la vidéo d'aujourd'hui. Et il y a un abonné qui m'a dit d'être plus actif. Enfin, c'est vrai, il a pas tort. Mais bon, voilà, moi, je fais des vidéos quand j'ai envie. Voilà, c'est pas des horaires fixes. Alors, attendez. Ah ouais, 6 tonnes 500. Ah oui, ça quand même, ça fait beaucoup. Donc attention. Ah oui. Ah oui, pardon. Bah ça, c'est du bestiaux, ça. Ah oui, bah la botte est un peu grande, là. Donc, on va la ramener dans la fourche. Hein. On va pas la mettre dans le plateau. Ah par contre, je vais pas... Ah merde. Bah du coup, je suis obligé d'en refaire une. Mais je vais pas changer. Bon, c'est pas très grave. Voilà, on fait un peu du n'importe quoi là. Surtout qu'il n'y aura pas trop de bottes. Oh, ouais, non, ça va. Hop, voilà. Et du coup, j'ai lu les commentaires. Et voilà, et donc il y a un abonné qui m'a dit d'être plus actif. Et bah, moi, en fait, je fais une vidéo quand j'ai envie. Hein. Je vous l'ai dit dans une vidéo, je sais plus. Et d'ailleurs, je vais peut-être refaire une vidéo présentation de ma chaîne parce que voilà. Si j'ai beaucoup évolué. Voilà, du contenu de YouTube, de la vidéo. Donc la vidéo est pourrie. Quand je la regarde, enfin, voilà, quand je regarde mes premières vidéos, je dis putain, ça c'est pourri ça. Mais comment j'ai pu faire ça? Voilà, je pense que tous les youtubeurs sont comme ça. Dès qu'ils débutent, c'est... Il met un peu de temps à s'arrêter, hein. Voilà. Du coup, je vais... Là, je vais changer, hein. Là, je change. Je mets en... 1m30. Là, 1m80, c'est bon. Comment tu peux avoir des bottes à 1m80, quoi? C'est... En plus, c'est moche, c'est... Regarde la taille du ballot, quoi. Ah non, j'aime pas. Oh, la taille, quoi. C'est pas ouf. Donc, je m'excuse aussi dans la vidéo d'aujourd'hui, de dimanche... dimanche 1er juillet. En fait, au début, j'ai remarqué au montage, j'ai un abonné qui me l'a remarqué. En fait, je vais... au début de la vidéo, j'ai beaucoup fait. Et j'ai vu ça au montage, je dis merde, c'est.
Bon, c'est pas... Bon, c'est assez gênant, mais bon, c'est pas... Par contre, la botte... Ouais, glisse un... Ouais, tu roules pas trop loin. Hein. Ouais. Et ben, on va bien voir. Hop. Oh, ça passe à l'arme. Vraiment, la salissure des roues, elle est vraiment magnifique. Si tous les tracteurs seraient comme ça serait magnifique. Hop. Donc là, on a bientôt fini le pré. C'est plutôt sympathique. Ah, par contre, là, je vais pas d'endainer, ah non? Ah non. Ah, bon, on va faire comme ça. Ça tourne. Ouh, c'est pas serré. Hein. Donc voilà, donc je vais essayer de préparer la vidéo TP. Enfin là, c'est... Bon, je vais pas dire une série, parce qu'à chaque fois je dis une série. La série fait 2 vidéos, pas plus. Et là, quand je dis que je vais pas faire une série, la série a fait 3-4 vidéos. Enfin, 3-4 vidéos, ça, c'est un peu rien, mais bon, une série qui fait 3 plombes, 3000 ans, c'est nul. Hein. Faut changer aussi, parce que après, j'aime pas trop. Hein. Ouais, quand tu fais 5, 6, 6 vidéos, c'est bon pour une série. Et quand tu fais 30, 20, pour un roleplay, ok, mais pour une série, non, non. Ah, par contre, ah bah, il a bâti sur la route, bah voilà. Les Parisiens, s'ils passent par là, ils vont encore gueuler. Ah là là. Bon, c'est pas très grave. Petite parenthèse. On va se mettre comme ça. Oula. Il s'arrête pas quand il veut, lui. Il glisse un peu de l'avant. Mais ça, c'est peut-être avec le Gearbox en Vario. Parce que je crois que j'avais acheté un autre Dutch sans Vario. Et il me le faisait pas. Je sais pas si on peut sortir la botte si elle est pas finie. Ça, c'est assez dommage. Je crois qu'il y a beaucoup de rumbleurs qui font cette fonctionnalité là. Mais par contre, on est à combien de minutes de vidéo? 21 minutes de vidéo. J'ai pas vu le temps passer. Alors pas du tout. Bon, on a terminé pile poil, ça c'est génial. On va pas faire une demi-heure, ça sert à rien du tout. Après c'est long à regarder, enfin les gens ils regardent, enfin voilà. Là quand je regarde les gens, mes abonnés, voilà, ils regardent pas presque jamais toute la vidéo. Enfin il y en a très peu, voilà, ils regardent juste le début et puis voilà. Enfin, moi aussi quand je regarde les vidéos, voilà, je regarde pas toutes les vidéos. Donc alors est-ce qu'on peut ouvrir la boîte à filer? Bah non. Non, non, non. Ah bah, d'accord, il y a plus de filet. Ah bah d'accord. Bah du coup on va laisser comme ça. On va le mettre à côté de notre petit IH. Voilà. On voit tout de suite là, c'est pas la même grandeur. Voilà. On va ouvrir la petite porte. On va l'éteindre. Tac. Voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ma chaîne te plaît. Et puis moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde. Peace. For a second, now let me explain. See, I'm not trying to take you down, I'm trying to take away pain. Try my best to refrain from being the same as all these other lowlifes that probably don't remember your name. And all your exes sitting left, I'm trying to home run. Trying to make you happy, make a difference in the long run. So trust me when I say I'm